Oui, j'ai des nouvelles de Daniel, et des très bonnes nouvelles d'ailleurs, puisqu'il ne reviendra pas. Non, je plaisante. Évidemment, il va bien, malgré quelques troubles du sommeil de type tourista noche. Alors, c'est une célèbre tourista qui vous chope lors d'un sommeil profond, ce qui le réveille sans cesse, mais toujours trop tard, malheureusement. Il a visité... Et oui, je remplace Daniel Morin, faut que je me mette au niveau, hein, en termes de tout ce qui est scatophilie. Bon, il a visité les pyramides hier, et m'a confié que c'était la plus belle chose qu'il avait vue de sa vie depuis le KFC de la Porte de Bagnolet. Alors, il a également... prévu de racheter avec ses droits d'auteur une pyramide et d'en faire une résidence secondaire dans laquelle nous serons tous conviés à apprécier de la coke et des putes. Pardon, je plaisante, de la cocaïne et des prostituées. Alors, sauf Guillaume Meurice, car selon ses mots, il ne l'aime pas, on dirait Richard Gere avec un physique d'animateur radio. Dommage. Je trouve ça un petit peu triste quand même de la part de Daniel de se comporter ainsi envers son prochain, parce que moi je suis dans l'amour du prochain, oui, même dans l'amour de tous les prochains. C'est vrai qu'à m'entendre, ça ferait un peu fille facile, limite, mais bon. Oui, je le suis. Moi, c'est open bar, voilà. Non, mais c'est juste que je me suis intéressée à votre philosophie, Alexandre, hein, et à votre ouvrage, Petit traité de l'abandon, qui, au passage, est un livre CD, ce qui est quand même mieux qu'un CD livre. Oui, bah, imaginez un livre où toutes les chansons du CD de Christophe Maé seraient retranscrites. Qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne, faut pas, non. Oui, non, ça marcherait moins. Non, mais en vrai, ce sont en fait mes grands-parents qui m'ont initié à votre œuvre, Alexandre. Ils sont complètement fans de vous depuis votre passage dans la parenthèse inattendue. Ah ouais, ils se sont fait faire des t-shirts Alexandre Jolien, des casquettes aussi. Mon grand-père envisage de se faire tatouer votre visage sur son torse. Wouh, I mean, really? Non, sur son front, pourquoi pas, mais pas sur son torse. Non, mais ils respectent en fait tous vos préceptes, les préceptes issus de la philosophie de l'ascèse. Alors, au début, j'ai cru que vous parliez de l'autoroute A16. Je me suis dit, ça doit être compliqué de vivre selon les règles d'une autoroute. Ça voudrait dire quoi, hein, qu'il fallait becter des sandwichs œufs maillot rat mort à 13 euros en faisant un pèlerinage en Belgique tout en passant par Dunkerque. Ça, c'est no way. En plus, en termes de philosophie, Dunkerque n'est le berceau de rien, je crois, sauf de la consanguinité. Et puis, j'ai compris quand même l'A16, terme qui préconise le dépouillement et non pas une autoroute. J'ai surtout bien compris quand je suis allée dîner chez papy et mamie le soir de mon anniv et qu'ils m'ont accueilli dépouillé de tout vêtement. Oui, je n'oublierai jamais cette vision de ma grand-mère. J'en ai encore les yeux qui brûlent. Là, je me suis dit, c'est ce qu'on appelle un test of God pour accéder à la sagesse, et je l'ai relevé. Alors, on a mangé ce soir-là un vol au vent, sans vol, avec juste du vent, en fait. Hein. Et puis, comme cadeau, j'ai reçu un euro symbolique. Et apparemment, c'était déjà bien comparé aux anniversaires de Jésus, qui n'avait droit qu'à une couronne d'épines et une croix dépliable quechua, et qui ne se plaignait pas. Voilà. Martyr un jour, martyr toujours. En tout cas, mes grands-parents vous invitent à dîner quand vous voulez, Alexandre. Comme vous mangez peu, l'addition, c'est pour eux. Hein, vous pourrez ne pas commander tout ce que vous voulez, Royal au bar. Hein. Non, mais vous préconisez en fait de vous abandonner à la vie pour trouver la joie. Eh bien, moi, j'ai testé l'abandon. Déjà, j'ai abandonné le sport. Voilà. J'avais abandonné il y a un an, donc ça tombait bien en même temps. Ensuite, il y a aussi l'abandon du corps, voilà, avec un total relâchement de tous les membres. Cela inclut les sphincters également, ce qui m'a valu un léger éloignement de mon conjoint, du coup, qui a abandonné le domicile conjugal. Du coup, il a pris sa voiture direction la 16, la vraie cette fois. Hein. Et puis, vous recommandez d'accueillir la vie comme elle se propose, oui, de ne pas lutter. Donc le matin, quand je me dis... Hey, j'ai pas envie de me lever, j'ai plutôt envie d'apprécier le jeu des comédiens du télé-shopping et d'acheter une crème à base de moules de la mer Noire pour resserrer les pores. Bah, je le fais. Voilà. Ce qui m'a valu quelques démêlés avec Yann, notre producteur, qui n'aime pas accueillir ma vie comme elle se propose. Voilà. Et puis, vous avez un dernier précepte, c'était ce qu'on disait tout à l'heure, enfin non, c'est pas le même, qui est de se dire en toutes circonstances, c'est pas compliqué. J'ai essayé de résoudre le conflit israélo-palestinien. C'était quand même un peu compliqué. Donc j'ai laissé le truc en plan. Et même quand j'ai essayé de faire un soufflet au grand marnier, en fait, c'était très compliqué. Mon mec a accepté de le manger. Et là, je m'attendais à ce qu'il déclame votre fameux sutra du diamant attribué à Bouddha. Ce soufflet n'est pas un soufflet. C'est pour ça que je l'appelle un soufflet. Mais il a juste dit, c'est quoi cette merde? Alors, ça vous dirait pas d'écrire plutôt un livre de recettes, Alexandre? On pourra en parler en antenne. Merci, à demain. Joséphine Drey.